life to the fullest part. Living for work and nowhere to hide. Fighting alone in the arena of life. My aim is you and my soul is my pride.
white being. This is not America. This is not America. This is not America. This is not America. Different people. This is not America. This is not America. This is not America. Different people or animals. This is not America. This is not America. This is not America.
jusqu'aux dernières secondes. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Tormentor Radio Show sur Radio Libertaire. Bonsoir Angé et Benjamin. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas très vite, on va passer du speed metal ou quoi? Ouais, sûrement. Ouais. Alors, lamentable. Ah ouais, non, ouais, on se. Bon, alors, voilà, que, on a bien fêté nos 14 ans. Hein, c'est ça. Pas vrai. Et bah ouais, nous entamons donc joyeusement la 15e année de Tormentor. Ouais, ça, là, on pisse à l'arrêt du cul, hein, de pas mal d'émissions. 15e année, là, qu'est-ce qu'on. Eh, on m'entend un mot ou quoi? On m'entend, ouais. Tu m'entends bien? Oui, je m'entends. Ouais, je vous entends très très bien. On s'écoute beaucoup parler, hein, c'est vrai. Alors vite, je vais détailler ce qui vient de passer pour débuter la soirée. Et pour commencer, c'était Die Krupps avec Gladiators sur l'album Entering the Arena. Tiens, j'ai oublié de noter le label, ce sera pour une autre fois. Ensuite, Block 57, alias Dirk Evans et Give and Megan de Vomito Negro. Beau morceau. Dirk Evans, The Dive et Clinic, bien sûr. On a écouté This Is Not America sur l'album éponyme Block 57. 9e sortie de chez Automog, à l'époque où ils sortaient encore des trucs pas mal. Et enfin, pour continuer, c'est Ministry avec Cannibal Song sur The Mind is a Terrible Thing to Taste. Le label, on s'en moque, c'était une major. Ouais, c'est Warner. Et un morceau, voilà, un morceau qui est sans guitare, c'est rare que j'ai. Sans mauvaise guitare. Sans mauvaise guitare. Oh, j'aime bien mon Ministry. Bon, c'est mon. Non, guitare, au point de vue guitare. Ouais, moi j'aime bien. Bon, là c'est mon avis. Voilà. J'aime pas la guitare. C'est mon opinion, comme dirait. Voilà, et on sait où on peut, on sait ce qu'on peut en faire. Alors c'est à toi, Ange, maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous passer? Moi je vais passer que de la mélodie. Alors on va faire court, hein, puisqu'on a du bon son. Merde, il n'y a plus rien ici. Bref, alors on va commencer par une reprise de White House. Alors je sais que c'est assez anecdotique, une reprise de White House. Enfin bon, bref, c'est fait par le collectif Zeitkratzer, qui est un collectif qui reprend pas mal de trucs, du KJ Anno, du Lou Reed, je crois. Alors c'est simplement acoustique. C'est la deuxième sortie 2014, car ils avaient déjà fait un scud avec un disque avec White House. Pour la petite anecdote, si ça vous intéresse, je suis descendu dans cette sainte ville qu'est Marseille pour voir le concert, car ils jouaient à la Friche de la Belle de Mai. Et j'ai été odieusement, je dis bien odieusement, refoulé à l'entrée, une fois n'est pas coutume, par une dame qui soi-disant m'avait dit qu'il y avait, on pouvait pas rentrer parce que le concert. Ne pas déranger les mecs, bon, quand ils reprennent White House, ne pas déranger des mecs qui reprennent White House, c'est un peu. Ouais. Je sais pas, ça ne veut rien dire. Bon, bref, donc je l'ai eu dans le Derch et je les ai pas vus. C'est pas grave, donc on va se contenter donc de White Whip, qui est issu de je ne sais plus quel album de White House, les Saints White House, donc repris par Zeitkratzer. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec des. Enfin, plutôt entendre ce qu'on peut faire avec des instruments acoustiques, ce qui me rappelle une autre anecdote, mais je vous dirai pas cette fois-ci. Et on va après donc cet excellent morceau, on va qui est sorti chez Carl Records, hein, parce que je sais que tu aimes bien les noms de label. J'ai tout marqué de toute façon. On va s'écouter Hierophanan, je sais pas, enfin un groupe russe d'industriels bien barrés, si je peux, post-industriels, assez noisy, mais tout en progression. Le titre doit durer 17 minutes, je crois. C'est des Russes, ils ont sorti moult CDR. Dans l'ensemble, c'est pas mauvais. C'est un groupe qui n'est pas mauvais du tout, qui n'est pas très connu, bien sûr, comparé à d'autres bouses qui le sont beaucoup plus. Et donc voilà quoi, donc vous allez nous dire ça, vous pouvez toujours nous appeler au 01 43 71 89 40 pour nous dire ce que vous en pensez ou ce que vous en pensez pas. Et on se retrouve donc dans 22 minutes, hein. C'est parti, Hugo, es-tu là? C'est tout à fait parti, on est là, oui, on est là donc jusqu'à 23h, Tormentor Radio Show sur Radio Libertaire.
Et nous voici de retour sur l'antenne de Radio Libertaire, Tormentor Radio Show. Ange qui teste toujours son micro, qui s'entend pas au casque. Et pourtant, non, je m'entends pas au casque. Et qui va nous donner tout de suite plus de précision, non? Peut-être sur Zeitkratzer. C'est mieux. C'est allemand? Oui, je crois que c'est allemand. Ouais. Encore, je suis même pas sûr. C'était, donc, c'était le premier morceau. C'est puissant. Hein. Ah, ben puissant. Ah, j'aimais ouais, beaucoup. Énorme d'infrabasse. Ouais, ouais. Ah, et ensuite, tout un tas d'expérimentations, sûrement là, avec des instruments. Donc. Avec des instruments, donc. Des crissements, des. Voilà, avec des, je sais pas. C'était pas mal. Hein. Fait des trucs à bois qui coûtent très cher, très certainement. Voilà, bon, c'était bien bon. C'était une reprise de White House, White Whip, qui est issu, je me rappelle plus. Je me demande s'il n'est pas issu d'un Maxi Fanatics, je suis pas sûr. Bref. Et après Eurofanian, qui est un duo de Russes bien avinés et qui font de... Donc voilà, ça fait pas mal de temps que je passe, enfin quelques émissions que je passe ce genre de musique post-industrielle. Il faut dire post-industrielle. tout en ambiance assez long, très bruitiste, sans être du power electronics ouais, voilà, bidon. C'est, quoi, voilà. Dire, c'est des ambiantes, je dis ambiantes indus, hein, ça me paraît ouais. À peu près correct. Ouais, oui, enfin, à oui. Mon oreille en tout cas, voilà, ils sont assez oui, puissants oui. Aussi, encore une fois. Là, des... Voilà, donc sorti en 2002 sur un label Pathético Lugubre, dont je ne citerai point le nom. Et le Zeitkratzer est sorti sur le White House, est sorti sur Carl Records, quoi. Donc en vinyle, 180 grammes, il en reste un que vous pouvez acheter sur Bandcamp. Je crois que j'ai tout dit. Ok, alors bon, on va passer à la suite alors. Ouais, bah finalement, on va passer à ma séquence ben oui. Que je vais tout de suite caler en direct. J'ai fait comme la dernière fois, c'est-à-dire j'ai pas envie de constituer deux séquences séparées de courtes. Mm-hmm. Donc j'en ai fait une longue où j'ai essayé d'agglomérer tous les morceaux qui m'ont plu ces derniers temps. Mm-hmm. Donc c'est un peu varié. Vas-y, continue à faire de la musique live. C'est un peu varié, mais c'est toujours dans le créneau électronique, forcément, rythmé, bien sûr. Et on va commencer alors avec quoi ? Avec un projet, que je dise pas de bêtises, qui est danois, qui s'appelle Northern Structures, qui est sorti sur Sonic Groove. Voilà. C'est italien, ça ? Sonic Groove ? Ouais. C'est possible. Ça, j'ai pas. Enfin, Sonic Groove sort pas mal de trucs. Oui, t'en as déjà passé du Sonic Groove. Ouais, de Orphex notamment. Oui, mm-hmm. Effectivement. Ouais, ils ont publié Orphex. Et je vais diffuser aussi un autre extrait d'un maxi d'un mec qui s'appelle, enfin d'un projet qui s'appelle Realism. On donnera le détail plus tard. Après cette séquence. Comme un vrai DJ, il donne pas sa playlist. Quoi. Il donne comme... pas possible ça. Vous pouvez nous joindre au 01 43 71 89 40. Ou sur le net. Ah ouais, Tormentor.fr. Tormentor.fr. Où nous avons pas mal de mails qui nous remercient. Mm-hmm. Pour cette qualité musicale, Tous les deux semaines, et nous les remercions de nous faire leurs commentaires. Donc, on passe tout de suite donc à la séquence de mon cru. Qu'est-ce qu'on va l'appeler? Allez, électronique orageuse. Orageuse. C'est bien le temps s'y prête justement. Ah ouais. Alors on va n'épiloguons pas parce que sinon après écoutons de la zik. Vu que Ange a encore fait 50 minutes de musique. Non, c'est pas vrai. Allez, c'est parti. Tormentor Radio Show sur Radio Libertaire jusqu'à 23h.
connaissance avec la douleur qui ne me quitte plus. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ta forme harmonieusement sphérique qui réjouit la face. Toi, dans la géométrie, ne me rappelle que trop les petits yeux de l'homme, pareil à ceux du sanglier pour la petitesse et à ceux des oiseaux de nuit pour la perfection circulaire du contour.
Nous revoilà dans les studios de Radio Libertaire pour la suite de Tormento Radio Show. Ça c'était bien dit, c'était bien dit. Ouais, bah très oui, fluide, hein. Très rapide. Je crois. Sec. Alors. Concis, voilà, efficace. Alors, donc pour cette séquence, comme je l'avais indiqué, un peu orageuse, mais pas tellement. Orageuse. Orageuse. Northern Structure. Northern, laisse-moi lire parce que. Merde! Au secours. Bah, excuse-moi, tu vas lire, ouais. Alors, c'est Northern Structures. It's some new faith to face great paranoia on the LP called Articulation Pressure on Sonic Groove Records. Then we had Bipu, a motherfucker from Italy, apparently. From Spain. C'est anglais, a priori. From UK? Ouais. Expatriate. The title is called Breathing Regulation on the LP called Persuasion on Overrides Record. Ouais, c'est sorti je sais plus quand ça, c'est en avril ça, hein. C'est ça aussi. Yep. April. Non, March. March 3rd. Then we had French ones, étant donné ouais, le duo de frangins de Grenoble, hein, de Grenoble, ouais, qui ont sorti
qui ont sorti un truc. Qu'est-ce qui se passe? Toi, rien, il y a un truc qui tombe. D'accord. Ouais, c'était bien dû ça. Qui ont sorti un truc avec cet excellent groupe, je sais que tu aimes Hugo. Moi, j'aime et Benjamin aime aussi. Projet électronique du sud de la France, je crois, qui s'appelle Vomir. Vomir, ah oui. Vomir. Ouais, non, mais Vomir, on connaît bien ici. Oui, 495 oui, oui. productions. On 495 Vomir, ouais. productions à jeter. Mm-hmm. Et puis après, le gars, il faut le frapper. Parce que c'est de l'abus. Donc voilà, étant donné, avec le titre Les deux et les œufs, enfin, bon, après, je suis fatigué. Les 4 E2. C'est extrait d'une cassette qui s'appelle L'étoile au front. Alors, L'étoile au front, j'ai regardé aussi, je me suis documenté. Bon, bref. C'est une pièce d'un certain Raymond Roussel. Roussel, ouais, mm-hmm. tout simplement, Roussel. Et on a pu entendre en fait un texte extrait. Raymond Roussel ? Mmh. C'est un mec qui traînait dans les milieux ésotériques et artistiques du 20e siècle. Oui, c'est début 20e, hein, c'est ça. Ouais. J'ai lu un bouquin un peu naze qui c'est parlait de Fulcanelli, d'alchimie, tout ça. Et ce nom-là est tombé un moment dans les recherches des héros. Ouais. Et les 4-2, donc. Je connais avec Arthur. Un texte, et pour celles qui connaissent, qui est tiré des chants de Mal d'Aurore du conte de Lautréamon. Lautréamon ou Lauréamon? Lauréamon. On dit Lauréamon. Lauréamon, c'est comme de Mesnil. Moi, je dis Lautréamon. Ah ouais. Isidore Ducasse. Hein. Isidore Ducasse, voilà. De son vrai nom. Et ça, c'était sorti. Cousin des Glantines. En 82, sur Bain Total. Alors, le label Bain Total. Bain Total, oui. Bain Total, c'est le label de Difforme. Exactement. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est le label Difforme qui a sorti moult compilations. Il y en a des pas mauvaises du tout. Quoi. Alors, ensuite, Realism, je pense. Hein. Let me see. Realism. Williams. Rumors. Enfin, en français, ça se dit Suck My Dick. Circulation, ça, c'est le titre du morceau. Extrait d'un maxi qui s'appelle Nocturnal. Le royaume nocturne. C'est une sortie Sonic Groove également de février. Mm-hmm. Ensuite, on a écouté une vieillerie. Enfin bon, c'est bon. Bref, Mlada Fronta, donc le projet de Rémi Pelléchi de Grasse, hein, ou de Cannes, je sais. Ouais, enfin de 06. Ah, ouais, du 06. Grasse. Et ou c'est un extrait d'un album qui date de 99, High Tension. Ah oui, d'accord. Avec le morceau You Know That. Ouais, bien sûr. Très bon. Il a sorti un album l'année dernière, je sais plus son nom. J'ai passé un morceau qui était beaucoup plus électro en fait. Mlada Fronta. Il a sorti aussi un petit maxi, un truc peut-être en version digitale. Le seul groupe cool de cette partie de la France, c'est Corpus Delicti. Les Niçois d'ailleurs. Mlada Fronta, quand même. Dans les premiers, simplement Corpus Delicti. Ensuite, on a écouté un morceau d'un projet techno anglais que j'apprécie beaucoup, qui est le Cavalier sans tête, Headless Horseman. Mm-hmm. J'en ai déjà diffusé, je crois, 2 ou 3 morceaux déjà. Mm. Là, c'est son 6e maxi qui s'appelle 006. Et on a écouté le morceau Sanctuary. Bon, il l'édite chez lui, donc son label. Enfin, qui s'appelle Headless Horseman. Headless Horseman. Et c'est sorti en février. Ensuite, l'instant. L'instant grec de la séquence avec le projet grec Sauf. Ah oui, très bon ça. Très EBM finalement. avec le morceau Stepa, extrait du maxi Massif, dernier maxi sorti sur Prosthetic Pressings en décembre dernier. Mais où ils font trouver ces blazes? C'est un label américain qui est très très intéressant, enfin, de mon point de vue. Il y a de très bonnes choses sur Prosthetic Pressings. Et on a terminé avec un projet qu'on pourrait qualifier d'électro-indus à la clinique, quoi, EBM à la clinique. EBM, ouais. Pure Ground, qui est de Los Angeles, selon toute vraisemblance, enfin, selon ce que j'ai pu lire. On a écouté le morceau Poison, extrait de l'album Standard of Living, publié chez Chondritic Sound. Oh là 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 là. Ouh, j'ai mal. Là. Ça, c'est de la vilaine boîte, quoi. Du vilain label, ça. Oui, attends.
très vilain label. Enfin, ils sortent un bon truc sur 100. Et là, apparemment, bah, c'est le 100e. C'est une cassette. Ouais, le titre est très, très bon. Quoi. Le titre qu'on a écouté, ouais, ouais, ouais. Pure Ground, je vais me. C'est sorti. Ah, c'est mis jeté le 7 avril de cette année. Donc voilà, ce sera tout. Pour, bien, pour ben, ce qui voilà. me concerne. Et j'arriverai sans pas. Je vais pas arriver. Sans plus de transition. Sans transition, on passe du SPK. Allez, allez, on y va. SPK. C'est foufou, quoi. Thank you.
deceit lies control. Gegen alle.
unsere Kleidung ist so schwarz. Unsere Stiefel sind so schön. Links den roten Blitz, rechts den schwarzen Stern. Unser Tanz ist so wild. Unser Tanz ist so wild. Links den roten Blitz, rechts den schwarzen Stern. Alle gegen alle. Alle gegen alle. Alle gegen alle. Et nous sommes de retour à l'antenne. Voilà. Sur un nouveau morceau de DAF hein, que j'ai laissé en lecture continue. Tu m'entends? Ah moi je t'entends très bien mais... Parfait, non mais j'ai l'impression de pas parler. Mais moi quoi Bref, alors, trois morceaux, hein, c'est le SPK ou SPK, puisque c'est anglois. Mais SPK pour les... Ouais, il y a eu plein de... C'est un acronyme, il a dû donner plein de trucs différents. Bon alors là c'était Socialist Patienten Collective, donc des membres d'un asile qui avait fait une sorte de phalanstère, enfin bref, en Allemagne. Je crois que c'est aidé justement de malades mentaux, je crois, pour faire certains trucs. Grim Revel. Ce ne seraient pas les premiers, mais bon, je sais pas si c'est pas plutôt ouais, des, bon, bref. Sur Grim Revel qui faisait tout, hein. Donc là on a écouté Metal Field sur le fabuleux Auto da Fé, sorti Grey Area, donc sous label de Mute. Ensuite Manufacture, alors je crois que c'est américain ou canadien, en tout cas c'est sorti sur Netwerk, le label de Skinny Puppy, avec les graphismes de la pochette par Steven R. Gilmore, donc qui a fait les albums de Skinny Puppy, les débuts, même ceux de les premiers de, c'est pas un artiste, enfin le graphiste, hein. Voilà, donc la police de caractère, c'est caractéristique. On a écouté Armed Forces sur l'album Terror Vision. Je suis pas sûr qu'il y en a vu d'autres de Manufacture, mais celui-là, c'est un album assez sympa de BM américaine, on va dire. Voilà, avec des influences plutôt, vraiment des influences de Skinny Puppy qu'on entend sur les rythmiques. Mais une sécheresse toute européenne, enfin à mon sens. Et enfin, retour chez Mute avec les prodigieux DAF. Et on écoutait Alle gegen alle sur Alles ist gut. Je crois que c'est le premier ou le deuxième album de DAF. Hein. L'album où il y a Der Mussolini, Sato, etc. Der Räuber und der Prinz, etc. Donc je te l'ai dit, Mute Records. Et voilà, c'en est tout pour moi. Alors, Ange. Est-ce que je vais avoir le temps de tout passer le pain, on a même un petit peu de temps d'avance. Donc, c'est une séquence techno, là. Hein. Techno de hangar, moi, ce que j'appelle. Donc, grosse rave, tout ça. Donc, on va passer le roi de la techno. Enfin, bon, bref, quoi. Jeff Mills, de Détroit. Avec un titre dont je me souviens plus. Reverting. 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 Ouais, est sorti sur la compilation Purpose Maker. Voilà, donc techno qui tape bien. On va après passer Matum Freeze, issu du label Compound. Et on terminera avec Glenn Wilson. Glenn Wilson, le suédo-anglais. Enfin, on dit qu'il est suédois, mais d'après moi, il est plutôt anglais que suédois. Alors, Glenn Wilson, c'est un mec qui a beaucoup fait donc, pour la techno en Suède. C'est un mec qui est pas très très connu, on le verra jamais sur dans les charts ou quoi que ce soit, mais bon, c'est de la techno qui tape, c'est très très bon, c'est très bien produit. Il fait plus rien là, hein, depuis il a arrêté de faire depuis 2004-2006 des trucs. Matum Freeze, lui par contre, son pote avec qui il a fondé Planet Trax, Planet Rhythm. Lui continue à faire de la T-Tech. C'est de la techno à l'européenne qui tape avec un gros beat. Ils sont sortis sur leur propre label, hein, Planet Rhythm, Compound, Punish. Ça tape. Il fut une époque où on écoutait ça. Maintenant, on écoute je ne sais plus quoi. Parce que même les gars qui tapent, il n'y en a pas des masses. Hein. Hein, qui sortent des trucs. J'ai écouté pas mal de techno là aujourd'hui et dans la semaine. On sent quand même une influence, moi qui n'a jamais pris sur moi, c'est l'influence de. Voilà, il suffit que j'en parle pour que je me rappelle plus les noms. Rhythm. Oh merde, je m'en souviens plus. Enfin bon, bref, bon.
on s'en fout. Bon, c'est un peu c'est d'influence berlinoise toujours, ça continue, moi ça me saoule. Donc là, on va s'écouter de la T-Tech américaine, Jeff Mills, puis Matt Humphries et Glenn Wilson, le penchant européen, mais sévèrement burné et sans poil, je l'espère. Donc voilà, donc le premier titre Reverting, le second titre Turn of Fate, et le troisième s'appelle Loom, je pense, issu d'un maxi. Les deux sont issus d'un maxi, même le troisième, Jeff Mills, puisque la compilation est une compilation de tous les maxis qu'il avait sortis plus ou moins, Purpose Maker, quoi, la série 12 pouces Purpose Maker. 12 pouces! C'est bien ça. On passe tout de suite à la musique. 01 43 71 89 40, c'est le téléphone pour nous joindre au studio. 0143 à la vraie techno qui tape, quoi, voilà. Non, la vraie, non. Est-ce qu'il y a de la fausse? Est-ce qu'il y a de la fausse? Est-ce qu'il y a de la fausse? Je ne sais pas. Bon, l'adjectif vrai me saoule, tu vois, parce que c'est de la vraie musique. Qui sonne pas creux. Ouais, voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Qui ne sonne pas creux. Voilà, on va écouter donc les Manowar de la techno. Ah non, Manowar sacré, sacré. Ah, à part le faux métal. Le second album, mission sacrée. Allez, Tormentor Radio Show sur Radio Libertaire. Ah, c'est parti. We'll be right back.
nous sommes de retour pour la fin de l'émission Tormentor. Tiens, il est 22h59, on est à l'heure. Malheureusement, il semblerait qu'il n'y ait pas d'émission qui fasse suite. Ouais. Donc on va s'arranger pour peut-être pour organiser une petite bande sans fin Tormentor. Ouais, ma foi. D'ailleurs, tu avais déjà donné hein, les trois titres. Ouais, bon, qu'on on va a les diffusé. Redonner vu qu'on on est en vacances. Donc il y avait Jeff Mills, je me rappelle plus le titre. C'était voilà. Récupération. Reverting, Madam Freeze, Turn of Fate et Glenn Wilson with Loom. Et voilà. Et voilà, ce sera tout. Donc voilà, trois titres de T-Tech qui pètent bien, que voilà, j'aime bien. Glenn Wilson, je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas, enfin du moins en France, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, car il a fait beaucoup. Pour la techno dans les pays scandinaves, quand on sait ce que sont devenus maintenant les pays scandinaves au point de vue musique électronique, qui a sorti beaucoup de EP. Je crois qu'à son actif, il a par contre qu'un seul album qui s'appelle Night Shift, si je m'abuse. Voilà, techno sans concession, très dur, pas hardcore du tout, mais qui tape. Très très fort avec son pote Matt Humphries qu'on a pu écouter donc juste avant, lui aussi qui tape bien, qui continue comme je disais précédemment, qui continue à faire des titres contrairement à Glenn Wilson qui est un peu disparu du radar, donc voilà. Et puis Jeff Mills le parrain en premier titre en ouverture de la setlist. Et donc voilà, donc c'était ma setlist. Il doit être 23h, on a bientôt fini. Rendez-vous dans 2 semaines. Avec quoi, je ne sais pas encore. Hugo, une petite idée peut-être pour toi, non? Pas du tout. Voilà, pas du tout. Bien. Ah si, peut-être. Acide? Non, pas acide. Pourquoi pas, ouais, je commence à écouter acide. Ça. Acide. Enfin, de la techno avec un petit peu d'acide. Oui, c'est pas mauvais. Moi, ça m'a un peu saoulé pendant pas mal de temps. Et puis après, il faut voir comment c'est traité, mais il y a des bons trucs. Alors, donc voilà. Quoi. Bah, la prochaine phase pour moi, ce sera dans un mois. Ah. Oui. Ouais. Et malgré tout, vous serez là tous les deux, Benjamin voilà. Et toi. Mm-hmm. Là, c'est dans 15 jours. Donc, ce sera le 8 ou le 9 mai, si je dis pas de bêtises. Le 8 mai, je crois. 6, 7, 8, 9. Ah, peut-être le 9. 9, bon. Je sais pas. Ce sera bien sûr le samedi à partir de 21h. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sur la fréquence 89.4. Allez, ciao, ciao. Salut.